Puis vous avez l'autre chemin qui est plutôt consulting. Consulting, ce sont des personnes qui ont une appétence méthodologique, comme moi. Moi, j'ai choisi ce chemin-là. J'adore les méthodologies, j'adore les standards, CMMI, ETIL, SQB, EQBA, TMMI. Il y en a un paquet sur le COVID, il y en a un paquet sur le marché. Donc, ceux qui ont cette appétence-là, qui aiment bien donner des formations, etc., ils suivent ce parcours-là. Il est très possible dans notre métier. Donc, commencer à faire du conseil, de la formation, proposer des process, décrire des process. Ça commence au début par des petites missions, définir un workflow d'anomalie, un workflow de processus des incidents, un processus de support, etc. Puis après, une petite méthodologie, adapter la méthodologie. Et puis, on devient, voilà, quand on test senior, et là, on monte en expertise, on commence à faire carrément des audits. Des audits à travers des standards TMMI pour auditer les organisations, définir des axes d'amélioration, etc.